Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un aspirateur à balai sans fil de la marque Ultenic. Donc, Ultenic m'a recontacté pour me demander si je voulais le tester et je me suis dit, des aspirateurs, j'en ai quand même pas mal, hein. C'est des enfants qui sont contents à la maison. Mais celui-ci, il a un avantage que je n'ai pas testé encore, c'est qu'il a une station de vidage. Donc, plus la peine d'aller vider à chaque fois que vous vous servez de votre aspirateur, pas la peine d'aller vider dans la poubelle. Il a déjà sa poubelle intégrée. Donc là, je me suis dit, faut absolument que je teste ça. Parce que moi, à l'étage, j'ai pas de poubelle. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, quand je fais l'aspirateur à l'étage, je suis obligée de descendre, de vider dans la poubelle du bas, parce que j'ai qu'une poubelle ici. Et je remonte l'aspirateur après. Au moins, là, il restera sur place. En plus, d'après les promesses, c'est un sac de 3 litres qu'on peut vider à peu près tous les 3 mois. Donc là, il n'y a vraiment plus rien à faire. Il a l'air vraiment top. Donc, on va déjà faire l'ouverture ensemble. Et puis, on pourra le tester et voir vraiment comment on pratique pour faire l'auto-vidage. Allez, on fait ça ensemble. Moi, je vous mettrai pareil en accéléré et en musique. Allez, c'est parti. Donc, je vous ai déballé toutes les pièces de l'aspirateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en charge.
Je vais l'installer, je vais le mettre en charge. Je vais le tester pour voir un peu ce que ça rend en mode aspiration déjà même de l'appareil et en mode auto-vidage. Et puis je vous reviens à ce moment-là. Donc je vous reviens quelques jours après l'ouverture et la présentation de l'aspirateur sans fil FS1 de Ultenic. Donc je l'ai bien essayé, je l'ai bien testé. Donc maintenant je vais pouvoir vous en parler en détail. Au niveau de l'aspiration, il est supérieur aux aspirateurs précédents que j'ai eu à tester. Il est à 30 000 de puissance d'aspiration. Alors que le dernier que j'ai testé, ça devait être le U11 Pro, je crois, que j'ai testé d'Ultenic, il était à 25 000. Donc ça vous donne une idée déjà de la puissance d'aspiration. Il est vraiment très bien, vous avez trois vitesses, c'est-à-dire que quand vous le mettez en route, il se met systématiquement sur le mode auto, automatique. Sinon, vous pouvez mettre un mode éco, plus léger, ou alors un mode plus fort encore pour aspirer les choses plus grosses ou en plus grosse quantité. Donc maintenant je vais vous montrer en détail comment on passe l'aspirateur et puis on se retrouve pour la conclusion. Alors je vais vous montrer donc en détail l'aspirateur. Donc pour le prendre, c'est facile, vous le soulevez. Vous refermez bien le clapet, pas le couvercle. Je vois que j'ai une, je sais pas quoi là, je vais aspirer. Donc le bouton marche arrêt, ça se trouve ici. Et ce qui est bien, vous voyez qu'il se met automatiquement sur auto. Voilà, je vais l'arrêter pour pouvoir vous parler. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de gâchette. Vous voyez ici, j'ai une poignée, j'ai pas besoin de rester d'appuyer pour mettre en route ou de rester constamment appuyé. Le fait d'appuyer ici, ça le met en route et moi j'ai rien à faire, seulement à tenir l'aspirateur. Donc vous avez un mode auto, vous avez un mode bas, vous avez un mode haut et vous avez un mode turbo pendant qu'il est en version haute. Pendant 10 secondes, il aspire, mais vraiment très très fort. Bon, moi je le laisse en mode turbo. Ce que je voulais vous montrer également, c'est ici, vous avez un bouton qui vous permet, vous voyez là, vous avez un bouton juste à l'arrière qui vous permet de faire monter votre manche. C'est télescopique en fait. Donc en fonction de votre hauteur, vous réglez la hauteur du manche. Voilà. Donc moi je le laisse à peu près à cette hauteur là. Si Chéri devait le placer, bien évidemment lui il se servirait de la hauteur la plus haute. Moi je vais laisser ici. Donc je vais mettre en route et on va aller faire un test sur le tapis. Donc on se retrouve devant le tapis. Donc ce que je vais faire en test, je vais passer devant, c'est que je vais mettre du sucre en poudre. On sait que le sucre c'est très très fin. Et dans les tapis, c'est une horreur à aspirer. Donc, je vais vous faire le test de l'aspiration
du sucre. Et vous allez voir que là, on comprend les 30 000 de puissance d'aspiration. Alors, je démarre. Vous avez même une lumière qui s'allume. Comme ça, on voit bien la poussière. Là, je suis en mode auto. Je vais passer en mode... Là, il va passer en mode bas. Moi, je vais passer en mode haute. Et là, il va aspirer tout le restant. Voilà. Il n'y a plus rien. Donc, l'avantage, je repasse devant. L'avantage, c'est qu'on n'a pas encore trouvé un aspirateur robot qui monte les marches. Donc là, je suis obligée de me servir de mon aspirateur balai pour faire mon escalier. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez aspiré votre sol, vous pouvez baisser et vous vous retrouvez avec un tout petit genre aspirateur à main, quoi. L'éteint, donc il pousse une grosse puissance d'aspiration. Et maintenant on va, oh, tiens, j'ai des poussières là par terre. On va à la base. J'en profite pour ramasser les poussières. Je l'éteins et je le remets sur sa base. Alors, il a une autonomie de 60 minutes environ, hein, en fonction de si vous le mettez en automatique ou en turbo. Bien évidemment, il sera moins long, l'autonomie. Je le repose sur sa base. Et là, le fait de le poser, ça va simplement ouvrir le couvercle pour lâcher la poussière. Mais ça ne nettoie pas l'appareil. Bien, passe de l'autre côté pour montrer le filtre. Ici, là. Je ne sais pas si vous voyez le filtre qui est gris là, il est tout sale. Donc pour le nettoyer, j'appuie ici sur le bouton qui est au-dessus. Je reste appuyé 2-3 secondes. Et là, ça... tout aspiré, ça a enlevé la poussière donc qui était juste tombée dans le trou, mais ça a en plus aspiré tout ce qu'il y avait dans ce réservoir là. C'est vraiment magique. Donc là, je vais le reposer. C'est vraiment un très très bel appareil. Et il n'y a plus à se soucier maintenant du vidage du sac. Alors, vous avez la batterie qui est ici à l'arrière. Donc, dans l'unboxing, Chéri vous a montré comment il s'adapte à l'appareil. Mais vous pouvez également mettre à charger ici, dans ce réceptacle qui est prévu également. Donc, ça peut être intéressant. Enfin, moi, j'en ai pas une utilité de dingue, parce que ma maison est pas très grande. Mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a une grande maison, d'avoir une batterie supplémentaire et de la laisser ici quand celle-ci se vide. Moi, je vous dis, j'en ai pas l'utilité, une seule me suffira. Voilà pour le test. Thank you.
Donc je vous reviens pour faire la conclusion donc, de cet aspirateur. Vous avez vu, il est très maniable, il passe partout, vous avez les LED, donc ce qui fait que vous pouvez aller sous les meubles, c'est vraiment très très bien. Il a une puissance de 450 watts, donc ce qui est déjà très bien. Il a un système de filtration à 5 couches, donc pour les allergènes et pour le pollen, etc. Donc c'est parfait. Vous avez donc 60 minutes d'autonomie, etc. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations. Vous pourrez aller y jeter un œil. Il est en vente actuellement sur Amazon et je n'ai pas encore la promotion que me fournit à chaque fois Hélène, donc de la gamme Ultenic. D'ailleurs, Hélène, que je remercie encore une fois de sa confiance. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Et sincèrement, de tous les balais que j'ai, balais aspirateurs sans fil que j'ai testé, le fait qu'il y ait ce plus de stations d'auto-vidage, c'est vraiment le top du top. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!